Il y a une raison pourquoi il y a des auditions, parce que ça fonctionne. Et puis, en audition, t'es on the spot. T'es sur le champ, c'est tout sur le champ, comment tu te présentes, comment t'es dans le moment même. Si t'es pas prêt dans le moment même, mais tu seras pas prêt dans une semaine ou deux semaines. Je m'étais vraiment poussée parce que je savais que, comme je voulais vraiment le faire, le spectacle. Oui, c'est très stressant, mais c'est vraiment le fun. En fait, pour moi, c'est très important les auditions parce que ça nous permet aussi de nous donner à 110%. Parce que on veut, c'est sûr, donner notre meilleur pour être capable d'avoir la job en quelque sorte. Moi, j'aime vraiment les auditions, mais c'est un peu stressant. Et c'est pas juste le fait que c'est sur le champ, c'est la compétition alentour de toi. C'est le travail mental que tu dois faire constamment sur toi-même. Ça nous pousse à nos limites, en fait, parce que des auditions, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de se préparer pour, donc c'est sur le spot. Donc, tu n'as pas le choix que de pousser tes limites sur le spot. Donc, ça développe cette aptitude-là de se connaître soi-même, mais de ne pas avoir honte, de ne pas être gêné, de juste, ah ouais, si c'est ce que tu veux, ah ouais, vas-y, fonce. Tu as juste une heure ou deux pour être capable de prouver que tu as ce qu'il faut pour le faire. Donc, c'est une très belle expérience, les auditions, pour moi. Comme quand il y a un but à comme souvent à atteindre, genre, ça me pousse vraiment plus à me donner, puis quand je me laisse plus aller, faut que tu montres qui que t'es à l'audition, puis comme ta façon de danser. Le fait d'avoir une audition, ça donne aussi un avant-goût de ce qui s'en vient. J'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, mais juste au moins d'aller aux auditions, ça m'a permis de voir d'incroyables danseurs que j'avais aucune idée qui étaient dans le même coin de pays que moi, qui étaient dans le même quartier que moi. J'aime rencontrer de nouveaux danseurs.